Îlot de paix dans un triangle de turbulence, le Tchad accueille sur son territoire des réfugiés camerounais, soudanais, centrafricains et des retournés tchadiens venant de la Libye, de la RCA, du Nigeria et du Soudan. Dépêché au Tchad par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Garanti, Hervé de Villeroche a visité les différents camps abritant les réfugiés au Tchad. Cette descente d'imprégnation sur le terrain a duré 10 jours. 10 jours pour toucher du doigt le vécu des réfugiés au Tchad et l'apport du gouvernement en faveur de ces couches vulnérables. L'audience accordée par le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à l'envoyé spécial du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en charge des questions de développement, Hervé de Villeroche, a pour objectif de faire le point sur l'assistance de l'organisation onusienne et du gouvernement à ces personnes en détresse. Le Tchad est un pays remarquable par le travail qu'il fait pour l'accueil des réfugiés et il peut compter sur l'appui du Haut Commissariat aux réfugiés pour gérer cette situation qui est difficile. Nous nous félicitons également de l'adoption de la loi en décembre 2020 pour les réfugiés. Ce que nous faisons également, c'est que nous essayons de mobiliser, au-delà de l'aide humanitaire, une aide additionnelle pour le développement. Et donc j'ai eu des entretiens avec la Banque mondiale, avec la Banque africaine de développement, avec le Fonds monétaire international, avec l'Union européenne, avec la France, avec l'Allemagne, je verrai les États-Unis, pour voir dans quelle mesure le développement peut également contribuer au bien-être de ces populations et des populations d'accueil. Au nom du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, son envoyé spécial en charge des questions de développement, Hervé de Villeroche, a salué la lourde charge que paye le gouvernement tchadien et la population hôte dans l'accueil de ces réfugiés.